le mot amalgame, arrivé en France après que ces pays avaient colonisé la part nord de l'Afrique, maintenant le Maroc, l'Algérie et Tunis. Là-bas, avant l'arrivée des troupes françaises, la langue utilisée par la population a été l'arabe. Et après, quand ils sont arrivés, ils ont mélangé les deux langues. Beaucoup de gens qui ont né dans les périodes de colonisation ont étudié en français avec l'influence des mots arabes. Et quand ils sont arrivés à l'université, ils ont voyagé en France pour faire ces études et pourtant, ils ont partagé ces mots. Finalement, ces mots ont été adoptés par la langue française et ça veut dire mélange entre deux matériels ou substances.